Salam alaikum, Azul, bonsoir. Hier, quand j'ai lu cette information sur la longue, très technique, très complexe interview que Abdelaziz Bouteflika a donné à Oxford Business Group, je me suis dit que là, j'allais sûrement me réveiller, que je faisais un cauchemar, et que tant de journaux ne pouvaient pas comme ça, aussi unanimement, rapporter sans émettre la moindre petite interrogation une information aussi farfelue. C'était pourtant bien le cas. Des dizaines de journaux, dont certains réputés sérieux, ont tous mis à leur une que le président Bouteflika avait accordé une longue interview à cet organisme qui sonne si bien, puisqu'il commence par Oxford. Pas un seul parmi eux n'a émis le moindre doute sur un tel miracle. Tous ont fait comme s'ils ne rapportaient qu'une interview d'un président normal, mais qui ne parle plus, et où il pousse la prospective jusqu'en 2030. Où il décortique la situation économique de l'Algérie, où il rassure sur la crédibilité et la solidité de l'Algérie, etc., etc. Il y en a même un parmi ces journaux qui nous apprend que c'est la première fois depuis son AVC en 2013 que le président Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, donne enfin une telle interview. Waouh ! Personne ne nous dit comment le président a été interviewé, directement par des journalistes, micros et caméras en main. Personne ne nous le dit, sauf le journal satirique Al-Manchar, qui nous a croqué un petit dessin que je vais vous montrer. Regardez. Un dessin qui a inspiré Lotfi, notre graphiste, qui a mis du sien. Regardez comment s'est passée l'interview selon Lotfi. أدلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حواراً مطولاً مع فريق من الصحفيين من مجموعة أكسفورد للأعمال. تم نقل هذا الحوار المهم من قبل وسائل الإعلام العالمية المرئية والمكتوبة. Par encadré de deux personnages. Il est parti après avoir donné son interview. Et personne, bien sûr, ne nous dit qui est vraiment Oxford Business Group. Personne ne nous dit s'il ne serait pas, par hasard, un organisme spécialisé dans le conseil commercial et des publi-reportages sur commande qui sont présentés, pour faire sérieux, hein, sous la forme de rapports, qui se distinguent par, néanmoins par leur complaisance à l'endroit du commanditaire. Personne ne nous dit que Oxford Business Group est spécialisé dans ce genre d'expertise flagorneuse, commandée par des pays africains et autres pays dits émergents. Personne ne nous dit si Oxford Business Group a été rémunéré d'une façon ou d'une autre, pour sa prestation. Andrew, comme ils disent, Jeffreys, PDG et éditeur en chef d'OBG, a déclaré ceci. OBG, c'est Business Oxford, je ne sais pas quoi. Les pays émergents qui ont bénéficié de nos analyses ont tous enregistré une croissance positive. Ces dernières années, leurs performances ont surpassé celle des BRIC et des acteurs économiques développés. Fin de citation. Pourtant, le même OBG, Oxford Business Group, avait commis d'autres rapports sur l'Algérie, tous plus flatteurs les uns que les autres. Tous les rapports, tous, année après année, ont été particulièrement optimistes. Pas un seul qui soit un tout petit peu critique. Ils sont consultables sur le net, il n'y a qu'à se servir. Mais notre presse ne nous en a rien dit.
Bien au contraire. Tous les journaux qui ont couvert la prodigieuse interview nous ont fait croire que cette Oxford Business Group était le nec plus ultra de la plus fine analyse économique qui soit. Par contre, voilà ce que nous ont rapporté ces dizaines de journaux. En voici quelques-uns seulement, parmi les dizaines de nos journaux qui ont tous publié ce formidable événement et que je m'en vais vous lire. Ce sera la présentation de notre top 3 d'aujourd'hui, sauf qu'il n'y aura pas trois journaux, mais plusieurs. El Moujahed. Interview du président Bouteflika dans le rapport 2017 de l'Algérie élaboré par Oxford Business Group. Algérie 24. Le président Bouteflika accorde une interview à Oxford Business Group. Réflexion des aides. Oxford Business Group. Le président Bouteflika accorde une interview. Algérie 360. Le président Bouteflika accorde une interview à Oxford Business Group. Chouf chouf. Le président Abdelaziz Bouteflika a accordé une interview au groupe britannique Oxford Business Group, publié dans son dernier rapport sur l'Algérie. Reporter DZ, dans une interview accordée à Oxford, etc., Abdelaziz Bouteflika plaide pour le partenariat public-privé. L'expression « partenariat public-privé », Bouteflika livre sa pensée. DZ Info. Bouteflika défend son bilan économique. TSA, Bouteflika s'exprime dans une revue spécialisée sur l'économie. Al-Watan, rapport d'Oxford Business Group, Bouteflika évoque des réformes structurelles et des dizaines d'autres titres, mais il y en a encore, attendez. Le Matin d'Algérie, interview du président Abdelaziz Bouteflika accordé à Oxford, Algérie patriotique. Le message de Bouteflika aux puissances économiques et aux institutions financières. Le courrier d'Algérie, stabilité et réforme sous l'ère Bouteflika, la bonne note de l'Oxford Business Group. Et enfin, CNP News, explosif. Abdelaziz Bouteflika sort de son silence et parle. Enfin. Voilà. Et ce n'est qu'une partie de la presse en ligne ou papier que je vous ai citée. Ils sont tous dans cette démarche. Pas un seul journal qui ait essayé au moins de poser une question. Avec nous pour en parler aujourd'hui, alors d'abord le titre de l'émission d'aujourd'hui, l'intervention extraterrestre de Bouteflika. Pour en parler, Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Merci d'être avec nous, Hassan. Bonsoir, merci pour l'invitation. Azdine Zahlani, juriste, analyste politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci aussi. Farhat Ait Ali, expert financier. Merci, Farhat Ait Ali, d'être avec nous. Merci, bonsoir. Merci. Alors, Farhat Ait Ali, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce Oxford Business Group, OBG, qui chaque année fait un rapport sur l'Algérie, sur d'autres pays aussi, qui est généralement très... Ils vantent souvent les économies et les régimes de ceux qui lui, très vraisemblablement lui commandent ce genre de rapport. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Farhat Ait Ali? Farhat Ait Ali? Est-ce que nous avons perdu Farhat Ait Ali? Ah, tfadl, c'est Farhat, je vous en prie. Donc, essayez de nous en dire plus sur cette, cette OVNI, sur cette OBG, Oxford Business Group. Farhat Ait Ali, je me permets de vous interrompre, on n'entend rien. On va revenir vers vous, on va essayer de corriger ce problème de téléphone. Je reviens à vous. Alors, Hassan Hirsch, c'est quoi cette, d'abord ce rapport, cet énième rapport, tous plus flatteurs les uns que les autres de cet OVNI? Et puis de cette interview, qu'est-ce que vous pensez de cette interview de Abdelaziz Bouteflika? Dont certains nous disent, hein, je relis le dernier, le titre
explosif, Abdelaziz Bouteflika sort de son silence et parle enfin. Bon, d'abord, il n'a pas parlé puisqu'il s'agit d'un écrit. C'est une interview par correspondance. Voilà, on a bien vu qu'effectivement, c'est des questions préalablement établies et avec des réponses donc, qui ont été données certainement par des experts autour du président. Mais si on regarde bien l'interview, ça reste très largement une langue de bois et ça reste très largement des vœux pieux comme d'habitude. On annonce effectivement un plan à long terme, qu'ils appellent après dans un autre paragraphe que je lis ici, le lancement du nouveau modèle, de croissance économique permettra aux comptes publics de retrouver un équilibre à court terme. Donc il faut déjà savoir, c'est très important quand même, est-ce que 10 ans c'est un court terme pour eux ou un long terme? À un moment ils disent que c'est un court terme, à un moment ils disent que c'est à l'horizon 2030, donc un long terme. Déjà ce genre de simplisme, de contradiction sur des notions simples qu'on apprend en classe de seconde de gestion pose problème. Ensuite, on nous a déjà habitués à ce genre de promesses sans lendemain. Je me souviens du temps du président Boukharouba, Mohamed Boukharouba alias Boumdiene, qui disait qu'en 1980, l'Algérie allait atteindre le niveau de l'Espagne. En 1990, que l'Algérie allait atteindre le niveau de l'Italie. En l'an 2000, celui de la France. Et en 2010, celui des États-Unis. Rien que ça. Donc, c'était écrit, c'était dit à plusieurs reprises dans les discours qui n'en finissaient pas, les discours fleuves. Donc, le résultat, c'est que 40 ans après, on voit que l'Algérie traîne des pieds et qu'elle est, selon un certain nombre de rapports de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, qui sont des rapports un peu plus sérieux que ce que nous venons de voir, et ces rapports un peu plus sérieux montrent que l'Algérie est parmi vraiment les lanternes rouges des pays qui ont été sondés, à savoir que parfois sur 80 pays, sur 120 pays, etc., l'Algérie se retrouve toujours parmi les 10 ou 20 derniers. En matière d'éducation, en matière de recherche scientifique, en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de liberté de la presse, en matière de développement humain, en matière d'investissement étranger, en matière d'investissement dans les infrastructures, etc. D'ailleurs, ce que je dis est prouvé noir sur blanc dans l'interview accordée par Bouteflika, en tout cas apportée, supposé être on met ça entre guillemets. Absolument. À savoir que dans chaque paragraphe, il dit que maintenant nous allons avoir des investissements efficaces, rentables, ce qui sous-entend qu'avant, que jusque-là, pas le cas. Il ne l'était pas. Voilà. Que maintenant, il y aura la justice sociale, ce qui suppose que ça n'était pas le cas. Absolument pas le cas. Qu'aujourd'hui, nous n'allons plus dépendre de l'étranger. Ce qui veut dire que jusque-là, on dépendait de l'étranger. Absolument. Je peux multiplier des exemples autant qu'on veut. Je viens de parcourir en diagonale cette interview. Je confirme effectivement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que malheureusement, l'Algérie, qui aujourd'hui ne s'ouvre pas encore, à savoir que nous sommes toujours dans un système bureaucratique et on ne nous dit pas comment on va sortir du système bureaucratique pour aller véritablement vers une gouvernance transparente, vers des investissements effectivement rentables. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit on va arriver à la gouvernance électronique. C'est écrit noir sur blanc. Génial. Arriver à la gouvernance électronique. Est-ce que ça a un sens d'un point de vue politique? M. Zalani va nous le dire tout à l'heure. Est-ce que dans ça a un pays sens où la plupart des villes algériennes souffrent de pénurie d'eau depuis des mois maintenant. Déjà dans un pays où les gens se lavent 5 heures du matin pour arracher, c'est le mot, hein, un litre de lait en sachet. Absolument. Sachant que tous les chiffres qui ont été avancés ne peuvent en aucun cas être vérifiés, puisque nous savons que la statistique en Algérie, quand elle d'aventure elle est élaborée, elle est falsifiée pour des besoins justement de réponses politiques
à des besoins de la société. Mm. Par exemple, il nous parle ici de l'augmentation au niveau de la consommation, au niveau du pouvoir d'achat. Mais on oublie de nous dire que les besoins ont augmenté. Il parle ici d'augmentation de 6,6%. On oublie c'est de nous dire... C'est très précis, hein? Absolument. 6,6. Hein. Sauf que, monsieur Benchinouf, on oublie de nous dire que les besoins ont augmenté, eux, de plus de 100%. Les besoins en Internet, qui est devenu maintenant mondialement un besoin de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, du travail, ainsi de recherche. Suite. Un besoin au niveau des soins, un besoin au niveau d'aller venir. De transport, d'école, d'eau potable, d'hôpitaux. Les besoins ont été multipliés, encore une fois, par 100. Or, ici, il nous parle effectivement d'une augmentation du PIB, d'un petit pourcentage, etc. Et encore que ça reste à vérifier, sachant que, il n'y a pas une justice sociale, comme ils disent, mais il y a une grosse fracture sociale, M. Benchinouf, une grosse fracture sociale qui a vu une multiplication de milliardaires pendant que des millions d'Algériens vivent sous le seuil de pauvreté et accélérée par le processus de dévaluation de la monnaie et augmentation de l'inflation. Oui. Hassan Zelani, Hassan Hesh parlait maintenant de toutes ces choses qui sont à la traîne. Sur ce sujet de l'interview de M. Bouteflika et de ce rapport de l'OBG, comme on l'appelle maintenant, comme si c'était un gros truc, hein. On ne dit même plus Oxford Business, on dit OBG, il faut connaître. Et la presse a joué un rôle absolument incroyable de connivence hein, pour participer, pour procéder d'une grosse propagande qui voudrait nous faire croire que le président Bouteflika accorde des interviews. Oui, ça va dans le sens de ce que j'ai toujours dit sur votre plateau, que ce qui arrive à l'Algérie maintenant est un plan préétabli, préélaboré, etc., et bien réfléchi pour faire de ce pays, pour détruire ce pays. Bien entendu, dès le départ, le système Bouteflika a commencé par très rapidement, parce que finalement, le pays était mis à genoux par la guerre qui nous a été imposée de l'extérieur. Il est venu en 1994, il a vu que les choses n'étaient pas encore mûres, il est reparti. Et puis on l'a rappelé, n'est-ce pas, le groupe coupable l'ont rappelé pour venir, n'est-ce pas, finir le travail au point de vue politique concernant la disparition de l'Algérie en tant qu'État autonome et indépendant. Et il s'est mis à l'œuvre. Il a été aidé effectivement par la conjoncture internationale. On s'est retrouvé pendant pratiquement 15 ans ou 20 ans avec près ou plus de 1000 milliards de dollars qui sont rentrés dans l'escarcelle algérienne, mais qui ont disparu, on sait où, un peu partout. L'Algérie, contrairement à ce que dit ce rapport ou d'autres, au point de vue de ses infrastructures ferroviaires, routières et autres, etc., hospitalières, on en a déjà parlé, et les Algériens le savent quotidiennement, le vivent quotidiennement. Donc cette supercherie, parce que cette interview est une supercherie, tout simplement, ce genre de journaux, de presse, etc., il y en a plein, hein, qui, avec les espèces sonnantes et trébuchantes, vous font des, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, des rapports extraordinaires sur les chefs d'État, sur la bonne, mais à ce point, sur la bonne gouvernance. Ce n'est pas insultant. Par contre, ce n'est pas méprisant pour l'intelligence des gens. Oui, mais enfin, c'est leur boulot. Ils sont là pour ça. Donc, pour ces pays. Ils devraient le faire un peu plus intelligemment. Essayer d'être un peu plus subtil, faire semblant de critiquer, faire semblant de se poser des questions. Pourquoi une faire telle. Semblant pour qui ? Parce qu'il y a une chose. Premièrement, la grande majorité du peuple algérien ne lit pas ce genre de rapport. Il ne va pas lire ce genre de rapport, même si la télévision, le NTV, les autres radios vont rabâcher tout cela. Oui, mais les titres de la presse, vont... Abdelaziz Bouteflika donne une interview. Oui. Ça bon. Suffit pour les leur Algériens propagande. Savent parfaitement. Oui. D'ailleurs, ils disent « Miskin, Arbi Aouno,
Herbichfeh, etc. Ils savent parfaitement qu'il n'est pas capable de donner ni une interview, ni un ordre, ni une explication, ni un geste, ni quoi que ce soit. Et s'il pouvait, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à saluer, il n'a qu'à dire bonjour au peuple algérien, ce qu'il n'a pas fait depuis plus de 5 ans et pendant tout le long de ce mandat-là. Ce président, je le répète, n'est pas dans la capacité physique et intellectuelle ni d'accorder ce genre d'interview, qu'elle soit bonne ou fausse ou autre. Ce président est, la présidence donc est vacante et on sait, et tout le monde sait, que le président Bouteflika a, dès le départ et à partir de façon de la deuxième année, commencé à céder les, je le dis et je peux confirmer cela par des dires de hauts responsables, à partir de la deuxième année de sa gouvernance, là où il était encore en train de voyager un peu partout dans le monde, avait mis Saïd Bouteflika, le frère... Sur orbite. Sur orbite. Mm. Qui dirigeait, qui appelait, qui dirigeait et qui, le gouvernement. Monsieur Benbitour a démissionné, il a été remplacé par Monsieur Benflis. Je peux raccorder maintenant, aujourd'hui, un témoignage de Monsieur Benflis, pendant qu'il était chef du gouvernement, qui dit « Je ne supporte pas, ce monsieur vient dans mon bureau et il prend le téléphone de souveraineté et il se permet d'appeler lui-même les ministres de mon bureau. » Benflis a dit Benflis ça. Benflis l'a dit à moi-même, en personne, la première année de quand il était chef du gouvernement. Restez avec nous. Farhat Aitali, j'espère que la communication est bonne. Je l'espère aussi. Ah, c'est très bien, on vous entend très bien. J'en profite pour le saluer. Vous êtes salué par Hassan Hirsch et par Azdin Zalali. Alors, réciproque pour vos deux invités. Merci. Alors, Farhat Aitali, au sujet de ce rapport et de cette interview d'OBG, comme ils disent. Nous allons commencer par OBG. Ayant souvent lu des rapports d'OBG sur l'Algérie, je ne m'intéresse pas à ces autres clients. Je n'avais pas remarqué que la démarche d'OBG était académique. Elle recevait pratiquement des éléments d'analyse ou de prospective. Donc je me suis dit que ce groupe qui portait le nom d'une prestigieuse université n'était pas connecté particulièrement à une université quelconque, certainement pas à celle-ci. Donc par curiosité, j'ai essayé de savoir pourquoi ils ont trouvé ce nom-là. Oxford Business Group, ça aurait pu être une autre dénomination, alors que leur siège, il est à Londres, pratiquement, pas très loin de Coventry. Farhat Aitali, je me permets de vous interrompre, parce que ce que vous dites est trop important pour ne pas être parfaitement entendu. Donc je reviens à vous et j'espère que le problème va être réglé, que vous avez peut-être un téléphone fixe. Ou je reviens à vous dans un petit moment, c'est très... C'est important que nous puissions vous entendre clairement. Hassan Hirsch, c'est quoi ? Est-ce que c'est une fuite en avant d'un régime qui essaie de calmer le jeu à un moment où le Front social est en ébullition, à un moment où l'austérité avance à grands pas, une crise économique qui s'invente dans la vie des Algériens de façon très brutale, et cette presse qui jusque-là était un tant soit peu critique, qui se couche, qui se met à plat ventre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose? Mon point de vue est très simple, M. Benchendouf. Nous avons assisté, les semaines passées, les jours derniers, à une prise de bec entre les différents clans. Nous avons vu comment le Premier ministre, Ouyahia, a annoncé la tripartite, les discussions qu'il y a eu autour des PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, un transfert des investissements de l'État vers le privé national et éventuellement international. On a vu, et on en a parlé ici sur votre plateau, comment Ouyahia a été recadré. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que toutes les thèses de M. Ouyahia viennent d'être reprises dans cette interview de Bouteflika. Oui. Ça veut dire... Sauf qu'il faut que ça vienne de Bouteflika. Voilà. Ça veut dire que M. Bouteflika se contredit.
autant il a recadré... Enfin, ceux qui parlent au nom de Bouteflika. Tout à fait, mais pour le moment, il assume, qu'il en soit conscient ou pas, mais en tout cas, ça veut dire que les gens qui sont autour de lui, lui font assumer ces contradictions flagrantes devant l'opinion aussi bien algérienne qu'internationale. Donc, il y a une contradiction. Il recadre le Premier ministre, ça a fait un buzz au niveau médiatique et ça a fait un tremblement politique en Algérie, un Premier ministre recadré, lui-même qui disait que de toute façon, le président m'a nommé, il peut me démettre. Donc, effectivement, on est arrivé à un point de non-retour dans cette configuration politique qui est de passer des investissements de l'État vers les investissements privés. Et donc, partenariat au niveau des entreprises qui étaient jusque-là de grandes entreprises nationales. Deuxièmement, on revient donc, le recadrage qui a été fait, finalement, on revient dessus. Bouteflika est en train de dire dans cette interview que finalement, Yahya avait raison, que la tripartite, finalement, avait raison. Que les orientations qui ont été annoncées par le Premier ministre sont bien de celles du président de la République. Or, elles ont été contredites par le FLN, par un certain nombre de décideurs, aussi bien dans l'ombre que de décideurs qui avaient plus ou moins apparence publique. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour donner la crédibilité au propos du président Bouteflika, on prend un arbitrage étranger et non pas un arbitrage algérien. C'est-à-dire que finalement... Mais est-ce un arbitrage symboliquement... C'est-à-dire, c'est plutôt un camouflage, moi, non, je mais dirais. C'est ce qui est intéressant, je continue justement mon idée. L'arbitrage, c'est quoi? On fait une interview du président dans ce qui peut sembler comme étant quelque chose de crédible. Dès lors qu'on parle d'Oxford, on pense évidemment à l'université d'Oxford, ce qui a évidemment une crédibilité. Oui. Or, malheureusement, ou heureusement, on voit bien que ce Oxford Business Group n'est pas du tout lié à la célèbre université d'Oxford. D'accord. Donc, à la fois, on veut donner de la crédibilité aux propos donc, de Bouteflika et qui confirmerait ceux du Premier ministre, mais à la fois on le fait sur un support fragile, un support qui n'a pas de réalité, crédible en Angleterre, ce qui fait qu'on est encore dans une position où on ne sait pas exactement qui fait quoi, qui dit quoi et vers quoi on s'oriente. Et on va écouter Vrata Itali, j'espère que la communication a été rétablie. Farhat Itali. Oui, allez-y, je vous en prie, Farhat Itali. Je vous laisse poursuivre. J'espère qu'on va bien vous entendre. Enfin, Oxford Business Group. Donc, n'ayant pas trouvé de relation quelconque avec l'université d'Oxford, mais avec une quelconque université qui le paraît, j'ai quand même découvert à Oxford un Oxford Business Park, une sorte de centre d'affaires dans lequel des notaires 18e, quand toutes sortes de professions libérales, louent des bureaux, qui a dû éventuellement inspirer la dénomination de cette industrie, qui n'est pas très étoffée en matière de taxes premières, mais on a dit exactement, mais surtout qui n'est pas très étoffée en matière de pays cibles. Donc on trouve quelques pays africains, et pas parmi les plus brillants de la classe, on trouve quelques Asiatiques aussi, quand le Vietnam paraît être le plus servi, pratiquement l'intégralité des mondes au sud du Golfe et quelques pays sinistrés de la région. Vrata Itali, je me permets de vous interrompre encore. Ce n'est pas audible, malheureusement. J'espère que nous allons pouvoir trouver une solution de téléphone fixe, de préférence, pour pouvoir vous écouter, parce que le peu que j'ai entendu est très intéressant. Ce serait dommage de ne pas bien vous entendre. Azdine Zahlani, comment, d'après vous, pourrait ou devrait réagir la société civile devant cette bérésina qui s'annonce? Ça veut dire qu'on est arrivé à un point où on dirait qu'ils sont devenus fous,
où il ne rechigne, où il ne recule devant plus rien. Hein, bah, aller chercher un groupe comme ça qui s'appelle Oxford Business Group, faire comme s'il avait donné une interview, faire dire à toute la presse, de façon unanime, personne n'y a échappé, personne n'y a coupé, comme si on les avait menacés, qu'on ne leur avait pas laissé le choix. Celui qui ne le dira pas, on va s'occuper de lui. Au point où Al-Watan, un journal aussi sérieux qu'Al-Watan, reprend l'information, et pas que l'Ouattan, d'autres journaux sérieux aussi. Alors, comment devrait réagir la société civile devant une telle menace, j'allais dire ? Ben, la société, d'abord, et la société civile, ensuite. La société civile, c'est-à-dire l'ensemble des intellectuels, des cadres, des professions de la presse, des juristes, des intellectuels, des écrivains et toute cette crème de la société, des magistrats, des hommes de loi, toute cette classe qui doit et qui sait la situation sociale, économique, le devenir du pays, comme le sait aussi le citoyen de base. Oui. Mais cette catégorie donc de la population, à qui revient l'obligation d'alerter non seulement la société, mais aussi le monde. L'opinion publique, nationale et internationale. Sur les dérives qui durent depuis maintenant des années et qui s'aggravent de plus en plus pour ce pauvre pays qu'est l'Algérie. Ce qu'on peut remarquer, donc, suite au silence de la presse, quasi unanime dans sa, je dirais, sa lâcheté, suite au silence connu, reconnu des partis participationnistes et qui n'apparaissent plus maintenant, et qui sont, soi-disant, qui devraient jouer un rôle politique, et on voit leur silence, leur connivence à ces crimes perpétrés contre la population algérienne. Maintenant, quant à la population, au peuple, le peuple, tout le monde sait. Ceux qui savent les écouter, nos vieux, les femmes, les jeunes, tous sont conscients et ils le disent. Même s'ils ne sont pas. Mais est-ce que ça suffit d'être conscient d'être embarqué dans un camion fou qui lâchait sur une pente sans. Ils sont conscients, sur une descente sans frein. Ils sont conscients et ils sont sages. Parce que aucun Algérien de base ne peut reconnaître aucune légitimité à ce pouvoir. Tout le monde, soit en rigole, soit en pleure, soit essaye d'échapper, de partir. Soit sont dans un silence qui n'est pas complice, mais dans une situation de la rêve. Mais pour dire que la population algérienne peut être manipulée. Mais il ne suffit pas, de ne pas être d'accord, d'être indigné et de laisser quand même son pays aller au mur. Nous sommes tous en train de laisser le pays aller au mur. C'est un problème lié aux élites. C'est les élites qui doivent se soulever. Mais ce n'est pas le cas. On est là, votre télévision. Elles ne réagissent même pas. Même quand elles s'expriment, elles s'expriment de façon corporatiste. Les médecins tout seuls, les infirmiers tout seuls, les enseignants tout seuls, juste pour leurs droits socio-professionnels, ça s'arrête là. Il y a même un médecin, parmi les médecins résidents sur une page Facebook, qui m'a interpellé, moi. Elle m'a dit, monsieur Becchino, vous êtes en train de nous mener sur le terrain de la politique. Nous, on ne fait pas de politique. Nous, on réclame nos droits, ça s'arrête là. Parce que la politique a été complètement... la notion de politique n'a plus de... C'est devenu un synonyme de subversion. Voilà, tout à fait. C'est un adjectif. Elle est dévoyée. Donc, CSA ou le politique, tout ça, les gens n'aiment pas ça. Et je vais reprendre Farhat Aitali. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps qui reste, on va le lui consacrer. Farhat Aitali. Est-ce qu'on vous entend mieux maintenant? J'espère que ça va continuer. Là, c'est bon. Là, on vous entend. Alors, je vous laisse vous exprimer. J'aimerais que vous repreniez dès le début, parce qu'on ne vous a pas vraiment entendu. Bon, vraiment, en ce qui concerne le fameux Oxford Business Group, je vous avais dit que je doutais tout à fait de son caractère universitaire et académique. D'ailleurs, tous les rapports ne sont pas vraiment fouillés en matière de chiffres, en matière de prospectives.
Donc j'ai essayé de faire une petite recherche sur le groupe. J'ai trouvé que le groupe n'était pas consistant, ne pesait pas très lourd et n'avait pas un portefeuille de pays sérieux à traiter. En général, c'est les richissimes archives du Golfe, quelques pays de l'Amérique latine et surtout quelques pays sinistrés d'Afrique, dont le nôtre. Je ne peux pas accorder beaucoup de crédit à ce genre de groupe, même si en Algérie, manifestement, certains aiment les anglicismes. Dès qu'ils entendent Oxford ou quelque chose dans le genre business group ou doing business, des gens qui n'ont pas de maîtrise d'anglais cherchent pas tous les moyens à se mousser à travers les rapports de ces groupes. Mais en ce qui concerne l'Algérie du moins, les rapports de ce groupe n'ont strictement aucune valeur académique, mais aucune valeur d'expertise financière ou économique. Pratiquement, c'est beaucoup plus des discours de commissaires politiques transformés pour les besoins de la cause en supposées études économiques. Maintenant, pour arriver à la fameuse interview, moi personnellement, toutes les interviews et entretiens que j'ai accordés dans lesquels j'apparais en tant qu'interlocuteur direct, je les ai faites par écrit. Donc on m'envoie les questions, je les étudie et je réponds à tête reposée. Cette fameuse interview du président aurait pu être effectuée sous cette manière-là. Ça peut se faire de cette manière, mais maintenant, quand on dit le président, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il puisse écrire, mais éventuellement, il pourrait peut-être en dicter quelque chose ou quelques actes, mais qu'une autre partie aussi chargée, justement, de la rédaction des discours du président, est pratiquement confondu un discours à caractère politique avec une interview supposée être à caractère économique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont repris l'intégralité des discours qui datent de l'époque de Stelner sur le fameux nouveau modèle économique et les habituels pontifs sur les perspectives de l'économie algérienne, sur les réformes, l'amélioration du climat. Ils ont fait du copier-coller, Farhat Haïtali? Manifestement, c'est le cas. Pratiquement, une interview pareille ne mène strictement à aucune perspective économique ni politique, d'ailleurs. Ça ne veut strictement rien dire. Comme les rédacteurs des discours présidentiels sont plus habitués aux discours politiques qu'aux discours ayant un caractère économique concret, il y a une confusion des genres. Hassan Hirsch nous disait que le rapport, l'interview en lui-même sur les déclarations de Bouteflika n'était vraiment pas consistant, que c'était presque du grand n'importe quoi. C'est votre avis aussi? Écoutez, quand on parle de perspective 2030, alors que nous n'avons pas de perspective financière sérieuse sur 2020, 2030, c'est le fameux modèle de Stelner qui n'existe pas dans les faits. C'était juste des promesses vagues qui n'engagent que ceux qui les entendent. Quand on parle d'amélioration de l'environnement économique et du rôle de l'entreprise privée, on a vu dernièrement la fameuse entreprise privée, comment elle a fait collusion avec certains intérêts au sein de l'État et comment il a été mis le haut plat par d'autres équipes qui manifestement n'étaient pas contentes. D'ailleurs, dans cette interview, le président est revenu sur le sujet en disant qu'il n'était pas contre le partenariat public-privé, sans préciser bien sûr ce qu'il n'était pas contre la manière dont cela s'est déroulé de la part de son propre gouvernement, ce qui ne tient pas la route comme logique. En parlant de réforme électronique du gouvernement, ce fameux gouvernement électronique, on l'attend depuis 20 ans. C'est un domaine technique. Nous avons la connexion Internet la plus faible du continent africain. Je vois très, très mal comment on peut informatiser un gouvernement qui n'arrive pas à avoir un débit Internet respectable. Il parle de réforme financière. Il n'y a pas de réforme financière. Il n'y a aucune perspective. Au contraire, tous les règlements de la Banque d'Algérie pondu depuis 6 mois, tend à la soviétisation du champ économique et à la mise sous la coupe de la bureaucratie locale de toute activité économique sérieuse. Je ne vois pas ce que cette interview peut apporter aux Algériens comme perspective. Pourtant, Farhat Haïtali, la presse algérienne
dans sa quasi-unanimité, je n'ai pas trouvé un seul titre, un tant soit peu critique, un tant soit peu interrogatif seulement, à l'endroit de cette interview et de ce rapport de cet organisme. À votre avis, comment expliquez-vous cette attitude de la presse qui, après avoir adopté une certaine liberté de ton, certaine liberté d'entreprendre, d'enquêter, d'investiguer, se couche, se met à plat ventre d'une façon vraiment honteuse, hein, je dis le mot. Je vais relativiser un peu vos propos, si jamais. Quand la nouvelle est tombée, la presse a repris ça pratiquement sous forme de couplet, disant que des fois même des dépêches de l'APS sont reprises en tant que telles, elles sont trop d'analyses. Parce que les analystes dans la presse n'interviennent pas le premier jour de la tombée de la nouvelle ou de l'information. En général, la presse, elle reprend l'intégralité de ce qu'elle voit. Les journaux que nous avons ici travaillent maintenant à la quantité, le premier jour, mais après, éventuellement, ils sollicitent des analystes pour donner un avis plus approfondi, plus critique. Ce n'est pas encore le cas de toute façon. Ça pourrait éventuellement être le cas dans les jours à venir. Mais toujours est-il que commenter une interview supposée être accordée à ce genre de groupe, personnellement, pour moi, ça ne vaut même pas la peine, pour la simple raison que ce groupe-là, il n'y a que dans certains pays économiquement et, je dirais, politiquement sinistrés qu'il a droit de regard. Il n'a strictement jamais émis le point de rapport sur aucun pays européen, y compris le plus sinistré d'Europe de l'Est. D'ailleurs, ça ne figure même pas dans la liste de ces rapports. Il n'y a rien sur la Chine, sur la Russie, sur le Brésil, l'Afrique du Sud, tous les pays qui sont plus ou moins dignes d'être étudiés, et ils ne s'y attachent pas. Donc ce groupe n'est pas un groupe d'universitaires, ce n'est pas un think tank, ce n'est pas un cabinet conseil sérieux, c'est beaucoup plus un bureau qui fait du marketing pour les échecs rémunérés. Restez avec nous, Frata et Ali, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Hassan Hirsch, qu'est-ce que cette interview annonce de vision politique, économique, puisqu'on en fait tellement cas, on en parle tellement pour vous, qu'est-ce qu'il annonce cette interview? Qu'est-ce qu'elle annonce plutôt? De mon point de vue, si on prend le cadre économique, ça annonce deux choses. C'est-à-dire qu'on prend conscience de la faillite des politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Une faillite structurelle au niveau industriel, au niveau touristique, au niveau infrastructure, etc. Je peux multiplier autant que vous voulez. Donc, premièrement, faillite du modèle économique de l'Algérie inspiré par le modèle soviétique. Donc, ce qui est sous-jacent à cela, c'est qu'on nous annonce que c'est fini, l'État ne sera plus patron, mais éventuellement régulateur. Ce qui serait évidemment une bonne nouvelle si l'on venait à faire une politique de transparence, si on ne transférait pas les biens de l'État vers ce que mais vous disiez. En l'État, Hassan Hirsch, en l'État, là, ce serait l'idéal dans un État normalement constitué. J'allais en venir là, justement. Oui. Ce que vous disiez la dernière fois, à savoir que ce transfert risque d'être fait à l'avantage des copains et des coquins. Voilà, dans cette configuration-là, évidemment, la catastrophe continuera de se faire. Maintenant, politiquement, qu'est-ce que ça annonce de mon point de vue? C'est une façon de dire que Bouteflika s'inscrit dans un plan quinquennal, lui-même annonçant un plan à plus long terme jusqu'à l'horizon 2000, ça veut dire qu'on est encore dans l'hypothèse d'un cinquième mandat. Et ça veut dire qu'il doit avoir ces deux débats. Ça veut dire, vous voulez dire, ceux qui tiennent Bouteflika en otage s'inscrivent dans... Ce n'est pas Bouteflika. Bien ouais. Évidemment. C'est-à-dire ceux qui parlent à sa place. Voilà. Parce qu'on voit bien, de toute façon, cette interview. Les questions sont des questions directives, à savoir qu'une question directive, ça veut dire qu'elle a été influencée par le partenaire algérien et non pas par celui qui interviewe. Parce qu'aucune question qui mettrait en difficulté
donc ceux qui répondent aux questions, c'est-à-dire deux, trois points, c'est-à-dire aucune question sur la baisse du niveau du pétrole, ce qui est quand même dramatique, parce qu'on sait qu'à l'horizon 2030, l'Algérie risque d'importer du pétrole. Aucune question sur l'utilisation de la planche à billets, avec ses conséquences qui peuvent être complètement désastreuses. Aucune question sur le chômage des jeunes. On voit très bien les conséquences. Et tellement de questions qui ont été éludées. Aucune question sur le déficit commercial. Et on peut multiplier effectivement les omissions de ce genre et qui montrent bien que ce sont des questions inspirées et données par le partenaire algérien. Azdin Zahlani, alors, c'est un secret pour personne que M. Bouteflika n'est pas en mesure de diriger. On le voit bien, on le voit tous les jours. Pourtant, on fait comme si de rien n'était. Sauf qu'il faut qu'un effet où Jacques, là où il donne des interviews, il lui manque rien, ou c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige le programme du président par-ci, le programme du président par-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce problème de santé, jusqu'à quand il va continuer Bouteflika a été installé par des puissances étrangères suite à l'affaiblissement du pays qui lui-même, je ne suis pas l'apôtre habituel de ceux qui voient toujours la main de l'étranger. Mais je suis convaincu que le Bouteflika, qui a été condamné déjà dans les débuts des années 80, n'est-ce pas, pour malversation, a été ramené dans un cadre de rapport de force international et imposé à notre pays jusqu'à ce jour. La preuve pour cela, c'est le pays qui était souvent très critique, peut-être à raison, sur l'Algérie, se taisent curieusement. Prenons par exemple le cas de la France. On parlait tout à l'heure de la presse algérienne qui a été soumise. Pourquoi la presse française, la presse démocratique en France, pourquoi ne se lève-t-elle pas ces problèmes juridiques, institutionnels, économiques de l'Algérie? Alors qu'on sait que maintenant déjà l'immigration... Si. Maintenant les rapports sur l'immigration qui risquent d'envahir la France... Donc, là, il commence à s'intéresser. J'en ai parlé il y a quelques semaines, rappelez-vous, où je disais, ne serait-ce que les détenteurs de la nationalité française et qui résident en Algérie, qui sont des centaines de milliers, avec leurs enfants, risquent très rapidement d'envahir la France, sans parler de boat people et autres, etc. Les informations récentes parlent, à partir du Maroc, de l'Espagne et autres, etc., d'un afflux plus important de jeunes. Absolument. Et c'est pour cela. Monter en puissance. Si on ne peut interpeller la presse algérienne qui, maintenant, comme la classe politique, a montré son dévoiement et sa soumission, et ce sera inscrit dans les annales, parce que nous croyons à la presse algérienne qui était dans les années 80, 8, 90, etc., avec le nombre de morts qu'elle a donné, où les journalistes étaient eux-mêmes les hommes politiques. Oui. Voilà maintenant qu'on voit l'apparentorisme. Par contre, la presse dite démocratique en France particulièrement, et qui se tait sur ce qui se fait en Algérie, se tait sur cette mascarade d'un homme qui n'est pas capable de parler, de s'exprimer, encore moins de faire ses missions, et qu'on continue à préparer, parce que cette interview, pour terminer, est aussi... comme elle a dit notre amie, une préparation au cinquième mandat. Monsieur parle des perspectives nouvelles, c'est qu'il se prépare au cinquième... on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Merci beaucoup. Farhat Aitali, le mot de la fin vous revient. Vous avez environ 4 minutes, parce que vous êtes celui qui s'est exprimé le moins, malheureusement. Je vous en prie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous commencez par quelque chose qui va vous étonner, évidemment. Le fameux journaliste qui a commis le rapport et l'interview, un certain Jaime Pérez Seoane de Zunzunegui, qui est un Espagnol de son état, d'après le nom c'est un Basque. Entre 2009 et 2013, il était fondateur et directeur d'une boîte spécialisée dans la location de vêtements pour les gens qui ne pouvaient pas s'en acheter pour les fêtes ou pour maintenant s'ils ont besoin d'une mode ou quelque chose dans ce goût-là. Ou dans quel pays? En Espagne? En Espagne? En Espagne, oui. Je suis en train de dire la publicité de la boîte qui l'a créée offrait tout la possibilité de alquiler vestibus. Vous nous en direz tant. Vous m'en direz tant. Et voilà. Donc, ça ressemble un petit peu à l'américain de Albuquerque. كارنفال في دشرات الصح ولا 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 ولا
Franchement, n'importe quelle activité pour n'importe quel étranger qui se pointe à un rien et qui a assez de culot yani, pour présenter un CV qui n'est pas le sien. Aïch ya Bellar, je vis Bled Ljaran. C'est comme ça qu'on disait avant. Farhat est allé. Sur le OGB et tout le reste. Pratiquement, c'est dans le design de l'américain Gros Badecta, l'agriculture. Ils sont certainement rétribués dans tous les pays où ils interviennent pour commettre des rapports qui n'ont strictement rien à voir avec les compétences du personnel qu'ils envoient sur site. Je viens de vous dire exactement dans quoi opérait le monsieur Ada. Et comment voulez-vous que j'aille demain commenter un rapport qu'il a établi sur l'Algérie? Oui, oui. C'est... Mais Farhat Aitali, le rôle de la presse dans tout ça, franchement, moi personnellement, je vais finir par avoir honte d'être journaliste. Très franchement, pour le dire comme je le pense. Moi personnellement, je milite pour qu'il y ait une presse d'investigation dans ce pays, mais pas une presse à scandale. Parce oui. que des fois, on a vu certaines tentatives d'investigation qui représentent plus un déballage interclan de certains documents, de certaines informations qu'on casse, ou bien même de faux scandales montés en mayonnaise. Je veux une presse d'investigation avec des spécialistes de l'investigation. Pas des journalistes. Mais encore faudrait-il, Farhat Aitali, encore faudrait-il qu'il y ait un environnement, que ces journalistes puissent faire leur travail, des statistiques, des possibilités d'accéder dans certaines informations. Or, ce n'est pas le cas. C'est plombé partout. Moi, je ne suis pas journaliste. Je n'accède pas aux informations. Je ne tape pas aux portes. Mais certaines logiques, on peut les appréhender quand on est spécialiste dans le domaine qu'on traite. On peut même extrapoler les données absentes. Il n'est pas nécessaire d'être dans tous les bureaux d'Algérie pour savoir exactement ce qui s'y passe quand il s'agit d'un dossier précis. Mais quand on utilise des généralistes pour faire de l'investigation, ou bien le genre de presse à scandale qui cherche pratiquement dans les placards et les chambres à coucher des gens, on passe dans l'excès ou l'excès inverse. Merci, merci. Ou bien la passivité ou bien l'excès de mauvais tuyaux. Merci Farhat Aitali, merci Hassan Hirsch, merci Azdin Zahlani. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaou ala khair, bsalama. Merci.